on devrait avoir le bracket quelque part. On a pas le bracket. Le stream est au milieu. Hey, c'est quoi ton tag? C'est No Face. Ah, c'est vrai, c'est ça. Avec un nom comme ça, c'est facile de l'oublier. Ok. Ok. Attendez, on va l'écrire comme on écrit des variables. Update. Ok, fait que là, Winner Rounds 1, No Face, Big Fish. Fait que on rappellera que quand tu joues chez contre Luigi, tu te sens misérable. Ça, on peut le rappeler. Tu sais, comment tu tues? Ben, tu tues pas. En plus de ça, ils sont allés sur Dreamland. Je sais pas qui a autorisé ça légalement. Pourquoi on n'a pas Dreamland en Counterpick? C'est une bonne question. Je pense qu'on devrait faire des Counterpick en fonction des match-ups. Genre, Dreamland Counterpick quand tu joues contre Luigi, puis c'est genre FD Counterpick quand tu joues contre Marth. Puis là, comme tu t'alignes selon le match-up. Mais c'est pas ça qui se passe. Fait que là, Big Fish a déjà eu son premier stock. C'est quand même impressionnant de sa part. Ben, c'est aussi impressionnant les 117 de dégâts de No Face, mais encore une fois, le problème c'est que c'est misérable. T'as pas de kill move avec Sheep. Tu peux pas être garde Luigi. Ou faut prendre des setups. Ok. Forward Air, c'est un peu ça l'action de grâce. Là. C'est ben, pas la fête, mais évidemment le mouvement gracieux sauvant les choses par élégance. Vraiment, Forward Air, ça peut tuer. Encore une fois, ça tue vraiment élevé. Il était à 134%. On était genre 10 000 pixels à côté du ledge, puis ça l'a tué à peine, tu sais. Je suis même pas sûr que Big Fish a pas dit « I out » quand c'est arrivé ce coup-là, fait que... on peut pas savoir, fait que là... Get up attack... Ouf! Ok. Fait que là, on throw, on up air... Donc en arrière, j'entends que Fugu 2016 vont jouer contre quand même un événement. Ben, pas autant d'événements que Zelda, Luigi. Je pense que Zelda a un meilleur match-up contre Luigi que Sheik à cause des... Elle a un kill move. Peut-être que les joueurs de Sheik devraient switch à Zelda pendant le set pour confirm les kills des dégâts qu'ils ont accumulés. Je pense qu'il y aurait du potentiel. Ok. Donc... Oh. Un stock d'écart, c'est rattrapable, c'est rattrapable. Mais Dreamland, là, c'est rough. Là. Mais c'est ça que ça fait le pick ban. Hein. Si tu perds le pick ban... Non, mais... Final Decision, c'est le counter-pick. Non, même si tu perds le pick ban, tu vas jamais sur Dreamland. Qu'est-ce qui s'est passé? No Face, ça va être une erreur avant d'avoir commencé à jouer quand même, une erreur tactique. Corner, ok. Ok. Fait que là, le yard est bon. Big Fish aura pas eu. Il n'y a pas eu beaucoup de misfire là, cette game-là. Honnêtement, Big Fish, il doit s'en parler à l'intérieur de lui-même. Là. Où sont les misfire? Où sont les troll kills? Est-ce qu'un jour je vais pouvoir taunt et tuer Sheik avec ça? Ah, ce serait quand même incroyable. Ok, fait que là. Wave dash back, on revient, on court. On fait juste grab le ledge, puis là il y a le désavantage parce qu'il faut qu'il re-switch Sheik. Évidemment, ça c'est pas une belle vie. Ok, neutral air. Don't smash. Okay. Don't smash de Luigi, on rappelle, ça va une bonne Xbox. Ça va vite, il peut follow up. Ok, un grab. C'est ça aussi qui est drôle avec Sheik, Luigi. Le launcher il va pas combo de la même manière. Ok. Dans le B, pour revenir au sol. Big Fish fait souvent ça. Quand tu sais que Big Fish fait ça, après ça, tu perds plus jamais contre ça. Oh! Et là, c'est Big Fish qui prend la première game. Bravo à lui. Ah, là, c'est quand même BM d'avoir amené Big Fish sur BM à Dreamland. Rendu, on pourrait appeler ça BM Land, amener Luigi sur Dreamland. Ok, Fountain of Dreams, ça a déjà un peu plus de potentiel. Big Fish est quand même respectueux, il va respecter le Don't Be, il va pas essayer de prendre un avantage en position ou whatever. Honnêtement, Big Fish est respectable, parce qu'il est tellement pas juste par le choix de personnage qu'il doit se sentir obligé. Je comprends ça. Fait que là, oh, Crush Cancel. Crush and Soul, c'est vraiment essentiel. Mais Luigi, ça peut pas Crush and Soul longtemps, c'est sûr. Dans ce cas-là, il pouvait le faire. Forward tilt. Oh! Down air, ça tue. Down air, c'est vraiment le nid de Luigi. Hein. C'est comme son genou est dans ses pieds. Évidemment, certaines personnes vont me demander, mais pourquoi tu dis pas que les pieds de Falcon sont dans son genou? Puis. C'est un bon argument. Oh! Le recovery high.
c'est pas punishable parce que tu joues chic, t'as de la misère à punish ice en fait toi-même punish. Tu sais, la dash attack elle tue même pas. Tu peux revenir à l'infini, il va jamais mourir. Ok, on a gagné le premier kill. Le corps c'est pas trop creusé donc il y a du potentiel. Back air, ouf. Le truc c'est que Luigi peut te catcher une fois et puis là ça va mal finir, right? Oh, là tu vas mourir sur un tomahawk. Oh, neutral air. Long glacé. Oh, down air. Damn. Oh! En fait, je pense qu'on a encore un peu de latence avec les joueurs. C'est un classique, hein, la latence, mais c'est normal. Mais le jeu est moins pire quand même que la semaine passée. Là. J'ai regardé mes replays là, de Games Fountain of Dream, puis c'était pas un dream. Et, fait que side B. Oh! Wow! Ok, il garde son terrain, no face. Ça va bien. C'est vraiment respectable là, ce qu'il nous offre. Ouf, kill on the top, c'est bon ça. Non, non parce que c'est pas kill Luigi. Quand t'es... Chier! Oh! Il l'a eu! En fait, l'écart se... Tu sais, absolument on dit que l'écart se creuse, mais là, l'écart se remplit. C'est l'inverse de creuser, right? C'est comme t'as une trachée, t'as creusé, t'as rempli, mais là, l'écart se remplit. Ouf! Oh, back air. Ok, là, l'écart se creuse. Il se fait pas toucher, il gagne le neutral plusieurs fois, il fait le bait. Oh, come on, on a bille là-dessus. Come on. Il y a grave le ledge. Ok, honnêtement, je prends pour No Face parce que Big Fish fait ben tour de B dans le vide. Franchement, t'es meilleur que ton pire troll. Ok, fait que là. Ok. Les slugs avancent tranquillement. On fait des échanges. C'est des longues games, mais ça doit être fatigant jouer Luigi Sheik. Ça doit être un peu épuisant. Notamment, tu sais, comme. Sheik, c'est pas un mauvais personnage, right? Mais Luigi, ça a l'air d'être vraiment. Ça ralentit vraiment l'énergie de Sheik. Puis ça fait que c'est très conservateur. Que. Il garde ses stocks d'avance. Comme. Faut que tu joues une Sheik vraiment plus lente contre Luigi. Puis ça. Il garde le ledge. Ok, fait que là, ça a terminé, j'ai pas vu la fin. J'ai hâte de voir la fin. Parce que là, à côté de moi, les joueurs se lèvent. Alors que Luigi, t'as toujours pas gagné. On sait que c'est qui gagne, right? Parce que là, les gens se lèvent, fait que ça veut dire qu'il y a plus de game 3. Et dans Tomahawk, il win. Incroyable. Donc, victoire de Big Fish. Maintenant, faut que je fasse ma game contre Venom Access. Je vais sur le stream pour me faire humilier.